par Soigny. À New York, par contre, des véhicules Bocan ont été placés à endroits stratégiques, notamment autour du Times Square, où sont attendus plus d'un million de personnes. Alors, c'est ainsi qu'on termine cette édition, notre revue de la presse nationale. À présent, nous allons commencer notre partie reportage avec ce bilan artistique de l'année 2016, film Nouvelle des stars. Également, nous allons voir un peu la récolte de cette année 2016 concernant ce volet artistique et culturel avec Wael. La star Shereen demeure toujours présentée dans la pensée de ses fans. Shereen retournera à la scène artistique en 2017. Le chanteur Tamer Hosni a reçu le titre meilleur chanteur arabe du Morex d'Or. Ainsi, il a été baptisé premier chanteur de l'Égypte qui jouit de 100 millions d'admirateurs. L'acteur égyptien Mohamed Ramadan a participé à une campagne de sensibilisation contre les dangers des drogues. Cette campagne a été organisée en collaboration avec les ministères de la Solidarité sociale, celui de la jeunesse et du sport, ainsi que le fonds consacré à la lutte contre les drogues. La campagne a eu un effet positif parmi les jeunes qui admirent la star Mohamed Ramadan. صدقني يا صاحبي اوعى تسلم نفسك ليه صدقني مش رجولة اوعى تسلم نفسك للمخدرات Parmi les bonnes nouvelles de 2016 figure le mariage de l'acteur Hassan Raddad et l'actrice Emi Samir Ghanim à Hurghada. Les mariés avaient présenté plusieurs films ensemble. Le mariage de l'acteur Amr Youssef et l'actrice Syriane Kendallouche. Cette alliance a suscité diverses réactions parmi les fans des deux stars.
Et oui, on enchaîne, chers téléspectateurs, avec notre prochain reportage qui sera centré sur les festivals qui ont eu lieu en Égypte durant l'année 2016, incluant également le festival du cinéma, le festival du cinéma du Caire, également le festival de la chanson arabe. Notre collègue Wael El Sayed nous fait le point sur ce thème. Le Festival national du cinéma ouvre sa 20e session du 12 au 20 octobre sous la présidence du Samir Sef. Ce festival portait le slogan de « Le cinéma est la clé de la vie ». Je fais tout que je peux afin de faire réussir mon travail. Je vois que la belle musique, les gens la sentent rapidement. Ce prix que j'ai remporté au festival m'a touché beaucoup. Le film Shad Exe, ou Prêt à tirer, a remporté le prix du meilleur montage et cadreur, ainsi le meilleur réalisateur à Hani Khalifa pour le film Sokarmor. Aussi, ce dernier film a remporté le prix du meilleur production. Arabe, lors de sa 25e session, a célébré son jubilé d'argent. Un nombre de chanteurs de l'Égypte et des pays arabes ont participé à cette session, y compris Enghem, Al-Haggar, Mohamed Hassef et Marwan Khoury. سعيد بهذا اللقاء للسنة الثانية على التوالي صراحة شرف عظيم أن أغني في اليوبيل الفضي للأوبرا ومع فرقة الموسيقى العربية La 38e session du Festival international du cinéma du Caire a été tenue avec la participation d'au moins 200 films et 60 pays. Les responsables du festival ont dédié cette session à la mémoire du magicien du cinéma égyptien Mahmoud Abdelaziz. J'ai fini la réalisation.